Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour la continuation de notre porte. Nous allons faire ici cette pièce là. Donc ici on voit qu'elle est oui, en deux parties, ici clac. Il y a un... enfin, comme ça. Ici vous voyez sur un socle avec des boulons dessus. Voilà, et après il y a cette partie là. Ok. Nous allons faire ça en deux parties, puisque comme c'est des pièces ajoutées, donc j'ai pas besoin spécialement d'un biseau ici, hein, faut que ça soit un peu plus net. Donc on va s'amuser à prendre, faire des coupes, hein, des boucles ici, pour durcir cette arête au maximum. Voilà. Ok. Donc du coup, je vais prendre ici bah, polygone. Pinceau de sélection, limite aux éléments visibles, décocher. Je vais prendre tout cela. Voilà, bah jusque là. Ok. Donc je vais faire clic droit. Scission. Donc je me retrouve avec cette partie-là. Ok. Ici, on va faire une extrusion de cette partie-là. Donc, contrôle A pour tout sélectionner. Clic droit, extrusion. Voilà, on va donner une épaisseur à peu près comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, c'est très bien. Ok. Donc, j'ai durci les arêtes de suite ou je ferai après. Ouais, je vais faire de suite. Donc, couteau par boucle, limiter la sélection. Bon, je décoche parce que regardez, si je fais là, hop, ça fait juste à la sélection et non ici. Donc, hop, je vais revenir en arrière. Hop, voyez, ok. Donc, ben, ils arrêtent. Nous avons juste ici, ici à faire, ici et une de l'autre côté ici. Voilà. Le reste est fait. Ok. Je vais sélectionner ce polygone-là. Et puis, ben même ceux qui sont derrière, en fin de compte. Donc, pinceau de sélection. Et je vais prendre tous ceux-là. Non, je vais pas faire scission de suite. Contrôler ici. Ouais, ça me va. Ok. Donc, ben, scission. Hop. Et on se retrouve. Celui-là, je peux désélectionner. Celui-là, je peux désélectionner. Et j'ai celui-ci. Voilà. On se met là. Ou alors, hop, faire ça, contrôle A, sélectionner tous les points, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus visible que là. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà. Ici, par arête. Oui, cette arête ici, là. Ouais, celle qui est là au bord. On va faire glissement pour venir l'envoyer un peu plus haut. On va se mettre là, on verra mieux. Déjà, c'est toute cette partie-là, j'aurais dû la remonter. Bon, c'est pas grave. On va le faire de suite. C'est celui-là. Non, celui-là. Celui-là. Par point. Rectangle de sélection, je vais prendre tout ça et ici. Ah ouais, ça c'est ballot, ça c'est ballot, ballot, ballot. Ouais, ça j'aurais dû faire ça avant, j'ai pas pensé. Ok, donc du coup, bah,
vais garder sur celui-là. Ici, j'ai les tags de sélection. Hein, sélection d'arête. J'en ai pas besoin. Je vais les enlever comme ça au moins. Hop. Là. Là, je vais prendre mon couteau par coupe. Couteau par boucle. Et puis, je vais dire. Ici. Ces points-là, je vais les supprimer. Voilà. Et puis je vais refermer ici mes arêtes. Hop, clic droit, ponter. Cette arête-ci avec celle du bas ici. J'ai caché celle-là parce que hop, voilà. Et il me reste plus que celle-ci à faire. Et puis j'ai juste la coupe ici à refaire. Voilà. Donc couteau. Je vais me mettre ici en face. Voilà. Ici. Et là. Voilà. Et là, clic droit, ponter. Et puis je vais refermer tout ça. Voilà. Oui, c'est vite rattrapé la petite connerie. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Tout est bon. Il ne nous reste plus que celui-là. Donc par arête. Voilà. Et là mon gizmo, vous voyez, il est pas bon. Est-ce que là il va le prendre correctement? Bah oui. Simplement. Là, vous voyez, quand il veut, hop, on va le remonter. À peu près jusque là, ça ira très bien. Polygone, CTRL A. Là. Et on va se faire une extrusion. Extrusion. Voilà, jusque là, cela j'ai une coupe. Est-ce qu'on la voit là? C'est vrai que mon preprint est vraiment pas joli joli. Hein. Enfin bref, j'ai une coupe là. Donc on va rendre ça un peu plus droit. Ok. Donc arrête celle-ci. Hop. Par rapport à celle-ci. Ah, ça change pas. Hop, j'oublie là. Ben non, du coup, ça le fait pas. Je vais dire, ah ouais, ben attends, je vais prendre celle-là. Donc toujours pareil, mise à l'échelle, je vais le faire par rapport à celle-ci. Il faut qu'elle soit droite par rapport à celle-ci et non l'autre. Voilà. Ah. Faut qu'on fait une extrusion. D'accord, combien j'ai d'arêtes là? Ah, j'en ai 4. Ah, ça c'est cool. Ok. Donc hop, par point. CTRL A. Donc j'en ai 32 sélectionnés sur 30. Voilà. Donc du coup, ici il n'y a qu'une arête. Ici il n'y a qu'une arête. Ok. Hop. Ah non, faut que je sélectionne celle-là. Hop. Mise à l'échelle par rapport à celle-ci. Là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Désolé, j'appuie sur CTRL au lieu d'appuyer sur SHIFT.
Voilà, comme ça elle est droite. Ok. Magic Solo, on va enlever les polygones qui sont créés derrière. Voilà, nous n'avons pas besoin. Cela, il veut pas les prendre. Soit. Voilà. Les quatre là. Ok. Supprimer. Cela, nous n'avons pas besoin. Ils sont derrière. Et ici, vous voyez, mamie, il arrête. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'enlève les arêtes et puis il me garde des arêtes, lui. Ok. Donc si je passe par point. Voilà. Il m'a gardé tous les points. Clic droit. Optimiser. Voilà. Ok. Donc on revient ici sur notre pièce ici. On va faire juste une petite extrusion comme ceci. Une jusque là. Ça, j'aurai encore des polygones enlevés derrière après. Voilà. Et là, je vais prendre juste cela déjà. Hop, cela je vais les enlever, comme ça ils m'embêteront plus. Voilà. Sup. Ok. Ça, je prends ces deux-là. Ici. Je vais plutôt me mettre sur cette vue-là. J'aimerais mieux ce que je fais, je vais plutôt passer par point. Rectangle de sélection. Hop, sélectionner. Ah! Tout ça. Venir ici. Prendre cela. Voilà. Et ces deux-là. Mettre comme ça ici. Ok. Donc nous voilà avec cette partie-là. Ok. On va durcir les arêtes de suite. Couteau, par boucle. Donc une ici. Une ici. Ici c'est bon. Ici il m'en manque une. Ici. Voilà. Donc j'ai bien surface subdivision. Ah bah oui, il va pas le prendre puisque hop. Tout ça, il faut que ce soit dedans. Voilà. Ok. Ici, pour faire plus joli, on va venir. On va plutôt ramener les points qui sont de l'autre côté. On les a ramenés ce côté-ci, je pense. Ouais. Déjà, on va regarder ce que ça donne notre pièce ici. Cela, c'est pas trop réaliste parce que ça rentre dedans. Donc, il n'y a pas. S'il y a un point d'ombre à la rigueur, on peut peut-être le garder comme ça. Ok. Donc nous avons dit cette partie-là, on va peut-être rapprocher les points quand même. Les points qui sont là derrière. On va venir mourir dessus. Voilà qui est fait. Ces deux-là. Ici. Celui-là, lui, par contre, il va aller là-bas. Voilà. Et là, il va manquer une coupe, du coup. Couteau. Voilà, par rapport à ça.
Est-ce que ça change beaucoup? Et effectivement, ça a changé beaucoup parce qu'il me manquait une coupe là. Ok. Ou alors vous laissez tout derrière là-bas. Je pense pas que ça change grand-chose. Le seul truc qui change, c'est qu'on a rajouté ici des polygones. Et ici, pareil, on a rajouté des polygones. Donc là, c'est pas grave puisqu'on doit en rajouter, puisque hop, normalement j'en ai une autre à faire ici. UB par boucle sur polygone. Et on va faire une extrusion. Là, vous allez voir, on va avoir quelques soucis avec cela. Donc, clic droit, extrusion. Ouais, je vais le faire un peu plus grand comme ça. Ici, je vais augmenter. Tac. Vous voyez, dès que je passe à 90, si 90 ça passe pas, vous mettez 91, 92, ça ne change rien. Ok. Et puis, ces arêtes là, du coup, comme elles sont plus à leur place, logiquement, le gizmo il est bien. Ouais. Celui-là va faire venir ici et celui-là va venir l'autre côté ici. Donc on va, du coup, on va essayer de garder à peu près l'écartement qu'on avait là. Voilà. Normalement ici c'est bon et l'autre côté c'est pareil. Ah. Et pas oublier, on va avoir des polygones là-bas à virer. Tiens, hop, sup, je vais faire de suite. Ça, on est sûr de pas oublier. Hop, j'ai tiré dessus comme un malade. Voilà, ok. Donc, du coup, celui-là. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Il va venir là. Et oui, là, vous voyez, j'avais oublié une coupe ici. C'est pas grave, on va la mettre tout de suite. Couteau. Voilà. Ok. Là, on n'a plus qu'à durcir les arêtes à l'intérieur. Pour cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Ah, si vous voulez pas le faire, hop, je vais mettre un peu plus large. Voilà. Voilà, un petit contrôle au cas où. Après, je sais pas si vous voyez ici, nous avons des ouvertures. On va les refermer. On va pas laisser ça comme ça. Surtout si vous mettez rien derrière. Donc voilà. Cette partie-là est faite. Il ne reste plus que. Vous voyez, j'ai fait une ouverture ici, une ouverture là. Ok. Donc là. Hop, par polygone, je vais sélectionner ce polygone là. Hop, aligner le plan de travail à la sélection. Hein. Je vous ai précisé déjà ça un tuto précédent, je sais plus lequel. Voilà. Ok, on commence. Outils, plan de travail, aligner le plan de travail à la sélection. C'est celui-là. Ok. Et là, je vais mettre un disque ici. Voilà. Là, je vais pouvoir remettre sur Y, hein, le sol normal.
Donc là, je vais mettre 6. Après le trou, faites comme la off. Ici, 1, ça c'est fait. Là, 8. 8, je suis en train de calculer ici, 1. Ici. Et là, une là-bas, non, 6, si je mets surface du jeu, ce qui fait un joli cercle, logiquement, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Ben voilà. On va supprimer. Ce polygone là, non, on va pas le supprimer. On va pas le supprimer. Comment on va faire ça? On va faire des coupes. Déjà, je réfléchis. Comment on va le faire? Bon, déjà, j'ai passé sur arrête. J'ai passé sur cette pièce là. Hop, je vais la mettre là. UB sélection par boucle, hop, sur les arêtes. Déjà, on va mettre une coupe ici, une coupe ici. Diviser les arêtes. Voilà. Et puis, ben, on va les. Rapprocher. Non, c'est pas là. C'est là. Ok. Ok, c'est bon. UB. Hop, toute cette boucle là, clic droit, diviser les arêtes. Hop. Et là, il m'en faut 3, il m'en faut une ici. 3. Et ici, je vais réduire. Pour les mettre là. Comme ça ici, vous voyez, on aura un polygone là, un polygone, un polygone, un polygone. On aura chaque fois des polygones. Il y a juste le centre ici qui va changer. Donc celui-là, je vais le rendre éditable. Là. Sur celui-là, je vais passer par point. Pinceau limité aux aimants visibles. Je vais prendre ces deux points là. Mise à l'échelle. Voilà. Là on est dessus. Ces deux là. Là. Ces deux là aussi pareil du coup. J'aurais dû les faire en même temps. Voilà. Là ils sont dessus, donc polygone, j'ai supprimé celui-là, non, c'est le disque que je supprime, j'ai plus besoin, voilà, et je vais prendre, hop, ça, clic droit, extrusion interne, léger, donc ici vous voyez c'est pas bon, donc préserver les groupes, hop, voilà, clic droit, extrusion, toute petite, un peu plus grand, et un plus petit ici, pour moi je vois un cercle parfait, voilà. Ok. Donc on peut laisser comme ça, en sachant que ici, ok, dans le fond j'avais un arrondi. Putain. Donc
Comme c'est un truc qui est assez petit et puis ça fait pas vilain, on va peut-être éviter de rajouter des polygones. Vous voyez, ça fait un arrondi assez sympathique, n'empêche. On va laisser continuer. Ah, il est pas rapide mon bestiau. Voyez, oh, à part que j'aurais dû mettre ici sur 3. On aura une meilleure définition de ce qu'on va avoir à la fin. Allez, ma petite bête de course. Voyez, c'est pas vilain, hein. Comme on va le voir d'assez loin, hein, c'est pas un truc qu'on verra de près. Donc on va regarder ça comme ça. Parce que comment voit ici, ça me ferait ici une extrusion interne en plus. Et puis bah, ça me fera 1, 2, 3, 6 polygones supplémentaires. Hein, et pas être sûr d'avoir quelque chose de mieux. Hein, voilà, si je le fais par exemple. Bon, l'arête sera un peu plus prononcée, mais sans plus quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 6 polygones en plus pour un truc qu'on ne verra pas? Et en plus, si jamais on le voit, ben, ça sera de loin. On verra un léger petit biseau dans le fond, ça serait c'est assez sympathique. Vous voyez, par rapport à celui-là. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Bon, ben, moi, du coup, comme il y est, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ok, bah il nous reste du coup celui-ci. Du coup, ben ça va être le sud plutôt à suivre. Ou alors vous pouvez le mettre hein, si vous voulez, mais je ferai quand même le tuto, parce que sinon qu'ils n'y arrivent pas. C'est le même principe que là. Voilà, à part qu'on le met là. Hein, on choisit ce polygone-là, par exemple. Hop, sur celui-là. Hop, sur celui-là. Ici et on fait mettre le. Allez, on va faire ça rapidement pour vous expliquer. Et puis je vous laisserai faire. Hein. Ouais, c'est pas compliqué. C'est la même chose que l'autre. Ok. Donc là j'avais dit 6. Ici 1. Et ici je me rappelle plus combien j'avais mis. 4, je crois. 4 ou 5. 5. 4. 4. Oh, il est un peu plus petit celui-là. 3. On va le laisser là, il est au centre. Ici. Donc du coup, ici, sur cette pièce-là. Non, c'était un peu plus grand. 4. Ok. Du coup, sur cette pièce-là, bah, qu'est-ce qu'il vous restera à mettre? C'est prendre ici. Bah non, je vais faire ça. UB, hop, cette boucle là, clic droit, diviser les arêtes, là, par 3, c'est exactement la même chose, et puis celui-ci, on va venir le faire mourir là, voilà, alors ça c'est ballot. Voilà, je vais tromper de touche. Voilà, ici par point, pareil, puisqu'on a pas, on a écarté ce duo, mais on n'a pas écarté cela, donc c'est pas grave. On va les faire. Hop. Quand on est tout près là, ça le fait pas. Hein. Ouais, si je fais là. Ah. Voilà. D'accord.
Oh, de saleté. Bon, pour ça que ça déconne, eh ben c'est pas grave. On va faire celui-ci avant. Et celui-ci après. Ici au centre, on s'en fout un peu. Voilà. Et ben du coup, ceux du centre, ben, ils vont venir là. Voilà. Et puis du coup, ben, le disque n'a plus besoin. Et puis, ben, on n'a plus qu'à. Du coup, ben, vous voyez, je vais le faire. Prendre ces deux polygones là. Clic droit. Extrusion interne. Un petit truc léger comme ça. Une extrusion. Hop. Hop. Un petit coup. Et une extrusion interne. Et puis voilà, c'est tout. Tout simplement. Vous voyez, ça n'a pas été long. Une fois qu'on a compris ici, après c'est bon. Voilà. Allez, on se dépêche. Je voudrais voir celui-là, au moins. Ben voilà. Ok, ben là c'est bon, on a fini pour cette pièce-là. On va mettre les boulons ici sur le prochain tuto, si j'oublie pas. Donc je compte sur vous au cas où j'oublie. Hein, donc voilà, ça va être vite fait aussi. Hein. Il suffit de sélectionner ce polygone-là. Venir avec un cylindre et faire en 6 pans 6 arêtes oui ou 5 je sais plus bon enfin bref voilà ok donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine allez ciao.